j'avais un atelier pas loin d'ici, dans le temps, de l'église, puis Saint-Patrick. Puis je passais par Saint-Rémy pour arriver là. Et j'ai vu l'ouvrage qu'ils faisaient pour rénover la place ici. Puis je me suis dit, allez voir c'est quoi le prix. J'ai cherché une place pas cher. J'ai trouvé cette place-ci, c'était vide. J'ai loué 4 murs. Tu sais, 550$ en 98. J'ai ouvert les deux portes, je regardais, tu sais. Puis j'avais une vue, tu sais, le skyline. Mais là, le skyline est parti. Je vois le top de Place Ville-Marie, puis tu sais. Mais avant, on voyait tout. Anyway, j'ai ouvert les deux portes. En arrière, tu avais le turquoise. Je ne veux pas garder une autoroute toute la journée, puis je pris ce côté ici. Il n'y a personne qui m'a aidé de monter le. Tout seul, j'ai monté le frame un jour, puis le lendemain, j'ai commencé à faire le plancher. Les premiers, c'est ça, on avait 4 murs, tranquillement, on a fait, tu sais, tu fais tes supports, puis tu mets tes madriers sur le mur, tu sais, en ordre, c'est comme un casse-tête, un jig puzzle, tu sais, that's it. J'ai toujours voulu avoir un loft, mais il n'était pas affordable, même en 98. Parce qu'il était tout fini, c'était des lofts déjà finis. C'est plus éclectique, le mien, tu sais, parce que t'as un petit peu de moderne avec un petit peu de provincial, tu sais. Un petit peu de tout, j'aime. Puis les femmes aiment ça, tu sais. mon mur en ardoise, ça m'a coûté presque 4000$, tu sais. Puis je ne vais pas le prendre. C'est des stocks comme, tu sais, c'est beaucoup d'ouvrages, ça me prend presque une semaine le faire, tu sais. J'ai pas gardé, tu sais, je vais attendre la dernière minute, on va voir qu'est-ce qui arrive avec, comment qu'on va être compensé pour ça, tu sais, parce qu'il y a toujours des droits acquis. J'avais pas d'intention de déménager ailleurs, là. Je vais rester, tu sais, jusqu'à j'expire, autrement dit, tu sais. S'il me reste 15 ans, je vais rester ici 15 ans. Mais là, c'est qui va payer mon chauffage et mon électricité? Parce que c'est compris dans mon loyer à 6,70. Tu comprends-tu? Si je vais ailleurs, déjà, le loyer va être plus que 6,70 sans chauffage, sans électricité. À mon salaire, je n'arriverai pas. Tu sais, je peux tomber sur la ligne des. De BS. Tu comprends-tu?